Pour cueillir la branche dont l'eau berce la couleur, sur l'eau je me penche. Hélas, j'ai trompé ma manche et je n'ai pas pris de fleurs. Judith Gautier, poème de la libellule. l'eau de l'étang, l'herbe à plantes enlacée, vers tapis s'étend, aucun regard ne descend jusqu'au fond de ma pensée. Le dans l'air monte haut, pourtant la flamme du volcan qui clame plus haut lance un rouge éclair, mais jusque s'élève l'âme. vous avez publié en 1990 un ouvrage intitulé Théophile et Judith Vont en Orient aux éditions La Boîte à documents. Il s'agit en fait du père et de la fille, donc de Théophile et de Judith Gauthier. Et si le père est bien connu, c'est bien loin d'être le cas de sa fille Judith Gauthier. Donc en fait, qui était-elle Qui était Judith Gauthier elle n'est plus connue de nos jours, mais elle l'a été beaucoup en son temps. Mais il est vrai, vous avez raison de dire qu'elle a été beaucoup connue comme la fille de son père. Et pourtant, elle a une œuvre très abondante et elle a vécu jusqu'au-delà de la Première Guerre mondiale en 1917. Et on, on peut considérer qu'elle a tout de même été reconnue pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, euh, le déclin est venu ensuite. Euh, au début de sa vie, elle a été de sa vie littéraire. Je veux dire, elle a été accueillie avec le plus grand succès et des éloges des plus grands critiques de l'époque et certains lui sont d'ailleurs restés fidèles. Je pense à Anatole France qui a euh, toujours écrit sur ses livres euh, des choses très touchantes et très belles et qui paraissent sincères. Euh, quand je parle de ses premiers livres je fais allusion par exemple au livre de jade qui est un livre de poèmes chinois anciens traduits par elle bon, avec tout ce que le mot traduire pouvait signifier euh, à une époque où le souci premier n'était peut-être pas le souci d'exactitude en tout cas à la lettre et puis surtout on ne connaissait presque rien à l'univers euh littéraire, chinois ou japonais, donc elle a joué un rôle plus d'intercesseur que strictement de traductrice. Tout à fait. La, la grande différence entre Théophile et sa fille Judith, du point de vue de leur orientalisme, pour s'en tenir à cela, c'est que le père Théophile était passionné d'Orient, mais par là, il fallait entendre le Proche-Orient, essentiellement Constantinople, l'Égypte et les pays du Maghreb, puisqu'il a également fait un voyage en Algérie, euh, tandis que l'Orient de Judith, c'est manifestement l'Extrême-Orient. La Chine, pour commencer, euh, peu de temps après, le Japon. Auquel elle consacre aussi plusieurs livres, l'Inde, la Perse, le Siam, pratiquement tous les pays d'Extrême-Orient. Et puis naturellement, l'autre différence extrêmement importante entre eux, c'est que Théophile a vraiment voyagé dans ces pays d'Orient qu'il aimait, qu'il a décrits ou évoqués, tandis que Judith ne les connaissait que de manière livresque, ce qui paraît extrêmement surprenant, étant donné la précision extrême de certaines de ses descriptions. Mais euh, c'est pourtant un fait <laughs> absolument certain. Elle a voyagé une fois dans sa vie pour aller en Algérie, pays qu'elle n'a par ailleurs jamais décrit. Et tous les autres pays auxquels elle a consacré de nombreux livres, elle ne les connaissait, alors ce n'est pas tout à fait exact euh, de dire que par des livres, parce qu'elle les connaissait aussi par des amis très chers. Par des rencontres. Hein. Euh, et par des rencontres qu'elle faisait et euh, par des, des livres qu'elle se faisait traduire par ses amis, ce qui est tout de même très différent que de les lire en bibliothèque ou en traduction. Donc il y avait une sorte de, de participation active par des liens amicaux à ces littératures étrangères ou exotiques. Et ensuite, une sorte de recréation qui étonnait tout le monde et qui continue en effet à être étonnante parce qu'il y a une, une précision et, et l'on pourrait dire une sorte de justesse de touche dans l'évocation de ces pays étrangers euh, qui ne doit rien au voyage. Ça, euh, Anatole France, par exemple, le remarquait très tôt, mais qui doit tout à une sorte de, de, de reconstitution par la sensibilité, par l'imagination, sans euh, s'emparant des, des données livresques et de, euh, évidemment, au prix, prix d'un très gros travail. Donc c'est vrai que Judith Gauthier n'est jamais allée en Orient, en Extrême-Orient, donc elle a toujours euh, décrit dans ses livres, mais l'Orient est venu à elle, peut-on dire, surtout par deux rencontres qui ont été fondamentales pour elle, qui étaient d'une part la rencontre de cet ami chinois, personnage assez étonnant que son père avait rencontré, que finalement il a hébergé et c'est lui qui lui a appris le chinois. Et puis, deuxième rencontre, c'était à Londres, à une exposition internationale où elle était avec son père et où elle a rencontré deux Japonais. Oui, absolument. Enfin, les, les deux événements ne sont pas comparables, mais euh, c'est d'ailleurs dans l'autre ordre qu'il faudrait en parler, parce qu'elle n'avait encore que 17 ans, c'était donc en 1862, euh, lorsqu'elle a vu les deux Japonais que vous évoquez. C'est une anecdote amusante euh, qu'elle cite dans ses mémoires, euh, tardivement donc dans le, dans le premier livre dans le deuxième livre de ce collier des jours, qui en comporte trois et qui aurait dû en comporter quatre. Euh, et qu'elle a écrit au début du XXe siècle, à partir de 1902. Alors là, elle revient sur les années d'enfance, d'adolescence, sur les débuts de sa carrière littéraire, et elle raconte, parmi les faits significatifs ou peut-être symboliques, cette rencontre faite en 1862 à Londres de deux Japonais, euh, sur lesquels on peut s'interroger, à dire vrai, parce que euh, à l'époque, le Japon était encore fermé. En fait, dès 1856, à partir de l'arrivée du, du Commodore Perry et donc d'une euh, espèce de forcing, on peut employer un mot anglais puisqu'il s'agit d'Américains, donc un forcing fait par les Américains, le Japon commence à s'ouvrir au début des années 60. Mais, euh, mais enfin, on peut penser qu'il y avait encore fort peu de Japonais euh, qui se promenaient dans les rues des capitales occidentales. Et apparemment, il n'y en avait pas à Paris alors qu'à Londres, du moins, il y avait ces deux-là. Nous nous promenions, ma mère, ma sœur et moi, dans un passage, je ne saurais dire lequel, quand nous vîmes en face de nous deux personnages très étranges, suivis par une foule de curieux. C'étaient deux Japonais, dans leur costume national. Ils feignaient de ne pas voir tout ce cortège de badauds qui les obsédait cependant, car ils entrèrent, pour y échapper, dans une boutique élégante où l'on vendait toutes sortes d'objets de toilette, en ivoire et en écaille. Nous ne pûmes y tenir nous entrâmes aussi dans la boutique, tandis que la foule se massait derrière les vitres. J'étais fascinée. Ce fut là ma première rencontre avec l'Extrême-Orient, et par lui, dès cet instant, j'étais conquise. Judith Gauthier, le second rang du collier. Mais on peut tout de même penser, on a de bonnes raisons de croire que l'autre fait auquel vous faisiez allusion, c'est-à-dire le fait qu'elle a eu... Euh, une sorte de, de précepteur chinois euh, a été beaucoup plus décisif parce que c'est avec ce monsieur Tin Ling qu'elle a traduit beaucoup de, de poèmes japonais classiques qui l'ont absolument charmé par leur raffinement, peut-être aussi par leur thématique, l'amour malheureux, euh, l'exil et puis la qualité de, des paysages évoqués. Tout cela, apparemment, euh, la, lui a beaucoup plu et euh, c'est de là qui est venu donc son premier livre, ce livre de jade, qui euh, encore aujourd'hui passe pour euh, une de ses meilleures œuvres probablement. Et peu après, il y a eu euh, un autre livre consacré à la, à la Chine, mais un, un roman, cette fois, le dragon impérial. Et c'est son troisième livre, L'usurpateur, euh, qui est consacré au Japon. Euh, raison pour laquelle, dans le cadre d'une réflexion sur le japonisme, on peut peut-être lui consacrer un peu plus de temps, d'autant que c'est un livre bien intéressant parce que c'est un roman historique qui s'appuie sur une base historique. Les événements auxquels il est fait allusion se passent au début du XVIIe siècle, vers 1610, 1615. C'est le début de ce qui deviendra la dynastie des Tokugawa, si l'on peut dire. Et euh, cette, cette prise de pouvoir se fait de façon efficace, mais un peu brutale par le personnage qu'elle appelle l'usurpateur, mais que les historiens aussi désignent de cette façon-là. Mais est-ce que ce souci du détail que vous soulignez bien, donc par exemple dans ce roman L'usurpateur, n'est pas un moyen pour Judith Gauthier d'habiller, disons, euh, de trouver un cadre exotique à, à ses confessions ou un moyen de faire passer ses propres idées eh bien, vous savez, les, les confessions dans ces romans ou les, enfin, comment dire, les allusions personnelles, euh, elles ne sont pas tellement faciles à trouver si on cherche un aspect euh, original et révélateur dans cet usurpateur qui est donc son roman japonais, également connu sous un autre titre par la suite, La sœur du soleil. Bon. Alors, on en trouve sans doute, je pense qu'on peut les raccrocher à un autre personnage important qu'elle appelle le prince de Nagato et qui est une sorte de conseiller euh, du jeune Fideiori. Et ce prince de Nagato est un étonnant personnage, très moderne si l'on veut, en ceci que il est à la fois euh, extrêmement brillant mais très autodestructeur. D'ailleurs, le livre se termine de façon flamboyante, si j'ose dire, euh, dans un immense incendie, celui du château d'Osaka qui lui est un fait historique, donc cet incendie, mais le prince de Nagato euh, se détruit lui-même euh, dans cet incendie, restant volontairement euh, dans les flammes pour y dispara disparaître à la suite euh, d'un amour malheureux pour l'Akisaki, qui est la femme de l'empereur. Euh, le le Mikado, donc personnage, autre personnage historique du livre. Donc ce prince de Nagato et l'Akisaki vivent une histoire d'amour impossible. Euh, comme on en retrouve, ça, ça paraît assez récurrent euh, dans tous les grands romans euh, historiques euh, de, euh, de Judith Gauthier. À partir de, de ces deux personnages, le prince de Nagato et la Kisaki, et de leur renoncement à l'amour, et non seulement à l'amour, mais à la vie tout simplement, euh, on, on pense à ce que Judith Gauthier a dit d'elle-même. Euh, à propos euh, de, son, de, de son amour quasiment exclusif pour l'extrême-orient. Elle a dit Indépendante, j'ai vécu, indépendante, je vieillis, indépendante, je mourrai, je serai toute mon existence une sorte d'extrême-orientale détachée des choses de son temps et de son milieu. Or, on voit bien que pour elle, l'Extrême-Orient signifie cela, signifie le détachement, signifie le renoncement qu'elle a beaucoup pratiqué à partir d'une certaine période de sa vie et pratiquement jusqu'à la fin, ce qui n'empêchait pas, bien sûr, de continuer à écrire, mais dans un refus euh, du monde de son temps. Et ça, c'est l'aspect qui le rattache euh, à certains courants. Euh, Dominant, je pense, dans les lettres à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe. Oui, vous avez des phrases d'ailleurs qui insistent tout à fait sur ce paradoxe dans l'attirance de Judith Gauthier pour un ailleurs. Vous dites par exemple, Denis, Denise Brahimi, tout se passe comme si pour Judith, la qualité essentielle de l'Orient était la distance qui l'en sépare. L'Extrême-Orient lui a été le moyen de vivre dans un monde qui, en effet, n'était absolument pas celui de son environnement habituel. Donc il y a eu véritablement un choix, une espèce de choix de vie, mais qui... Au départ, signifiait la volonté de ne pas connaître la vie courante dans le monde moderne, contemporain, euh, modernisé, euh, euh, qu'elle détestait finalement, ou qui ne l'intéressait pas. C'est une, une manière de signifier que ce monde-là, euh, celui qui pour beaucoup de gens passait pour le vrai et le seul, n'était pas le sien. Et euh, l'Extrême-Orient lui a été un refuge et, et, et un moyen de survie, un moyen d'assurer sa survie. Je pense que le personnage auquel de son œuvre auquel elle s'est peut-être le plus identifiée, c'est celui qu'elle appelle la fille du ciel dans cet opéra qu'elle a écrit en collaboration, enfin opéra pièce de théâtre, pardon. Non, ce n'est pas un opéra, c'est une pièce de théâtre qu'elle a écrit en collaboration avec Pierre Loti. Et elle s'identifie avec cette impératrice chinoise qui se coupe de plus en plus du monde et qui s'enferme véritablement pour ne rien savoir de ce qui se passe parce que une série de, de raisons historiques font que euh, elle estime ne pas avoir sa place en ce monde et bien c'est ainsi que Judith Gauthier se vivait elle-même je crois Le visage de la jeune fille était blanc comme de la crème sa petite bouche un peu épaisse avivée de fard s'entrouvrait en découvrant deux rangs de grains de riz elle avait les sourcils rasés et remplacés par deux petites taches noires faites au pinceau et placées très haut sur le front. Suivant la mode des princesses, ses longs cheveux dénoués ruisselaient sur son dos, se perdant dans les plis des robes. Les filles d'honneur formaient un demi-cercle autour de leur maîtresse, et en face d'elle, de l'autre côté d'une légère balustrade sculptée, une danseuse, en robe longue, dont les manches flottaient imitant des ailes, coiffée d'un étrange bonnet d'or posé au sommet de la tête, dansait lentement en agitant un éventail. Un orchestre de musiciens l'accompagnait, jouant du coteau, du bivoua, de trois espèces de flûtes, du tambour et du tambourin. À l'entrée du prince, la symphonie cessa et, vivement, fiachi se cacha la bouche derrière une des toiles d'araignée de sa manche, ce qui était à l'adresse de son père un salut tendre et pudique. Judith Gauthier, Le paravent de soie et d'or, Les seize ans de la princesse. Jean-Pierre Bire, vous avez consacré un ouvrage à, à cette partie de la Bretagne que l'on appelle la Côte d'Emeraude. Et vous avez intitulé cet ouvrage, que vous avez également édité, Regard d'Emeraude. C'est la région en fait où Judith Gauthier a habité à la fin de sa vie à, à saint -Enogat. Oui, c'est une, euh, une longue recherche un peu de la, la sérénité, un peu à la méthode orientale. Et Judith Gauthier s'est installée euh, les dernières années de sa vie, je crois, euh, régulièrement tout au long de l'année. Pour euh, donc se, mourir à Saint-Enogat, près de Dinard, au milieu de tout un, toute une ambiance littéraire euh, qui venait régulièrement tous les étés euh, de Paris. Et dans ce livre, Jean-Pierre bien vous montrez des, des photos ou même des cartes postales de Judith Gauthier à l'époque, en kimono, euh, ou dans une, une ambiance tout à fait japonisante par les, les tissus, les brocarts, euh, l'atmosphère oui, c'est une chose, c'est à la fois l'art décoratif. Euh, avant d'être l'art pictural ou l'influence picturale, c'était avant tout les objets qui faisaient partie du, du commerce, qui d'ailleurs était improprement appelé souvent chinoiserie avant d'être appelé japonerie, parce qu'on ne savait pas très bien. Euh, on retrouvait souvent des cargaisons euh, dans, dans les ports et les. les euh, on allait plutôt à la, à la recherche, un peu comme à la brocante. et Les, les artistes trouvaient des objets qui, finalement, euh, fin, terminaient dans des magasins, des, des boutiques à Paris, en particulier la porte chinoise et euh, le, une autre boutique qui s'appelait Bing, qui organisait beaucoup d'expositions et qui a fait connaître, mais au début, par, euh, par les objets. Ce qui est étonnant, c'est le petit pavillon à côté de sa maison, donc qui s'appelle le Pré des Oiseaux à Saint-Denogat, oui. pavillon qu a, qui avait été surnommé le, la boîte à cigares. Et qui a été décoré à l'intérieur. Le bois a été peint directement par un peintre japonais, Yamamoto, assez connu d'ailleurs à l'époque. Oui, Yamamoto, oui, effectivement, oui, vous avez raison. Et c'était toute l'ambiance. Il y avait des bambous, elle plantait des bambous, elle recherchait des essences rares pour avoir l'ambiance euh, japonaise dans son jardin. Évidemment, elle avait les objets, elle avait le kimono, enfin, un ensemble de choses qui lui permettaient de, de vivre sans, euh, sans voyager. Et c'est de cette façon qu'Henri Rivière, Signac, ont découvert euh, la Bretagne, et en particulier pour commencer euh, Saint-Briac. Dans ce livre très documenté, Jean-Pierre Bière, vous insistez aussi sur le fait que cette région, la, la côte d'Emeraude, a attiré beaucoup de peintres, notamment à la fin du XIXe siècle, et de peintres dont un certain nombre, je pense particulièrement à Henri Rivière, ont été très influencés par l'art pictural japonais. Oui, tout à fait, à tel point que qu'on pourrait dire qu'il a, il a francisé l'art japonais mais en reprenant essentiellement l'art le, le, graphique, les dessins, les grands aplats de couleurs clairs. C'était avant tout une réaction contre ce qu'on appelait le, 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 la peinture au bitume. Donc c'était la lumière, des grands aplats de couleurs, mais toujours construit à la, la façon japonaise, c'est-à-dire en décentrant, en ne mettant pas l'intérêt principal du sujet au centre, mais en décalant un peu ou en faisant des effets de plongée. Et surtout en ne cherchant pas le, la perspective, mais essentiellement le rapport des couleurs euh, les unes à côté des autres. Ce qui a enclenché euh, tout à fait logiquement l'école de Pontavenne avec euh, l'invention du, synthé, du euh, synthétisme et le Anctin en particulier, puis ensuite Émile euh, Bernard, Gauguin et Van Gogh. Et quand on voit cette, euh, ces reproductions des gravures de Henri Rivière dans votre livre, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un artiste japonais Tout à fait, puisqu'il y signait avec un tampon japonais. Donc c'était son monogramme et euh, c'était vraiment l'exacte le, le, reproduction du travail d'Okuzai. Et qui il, euh, il recherchait essentiellement la gravure sur bois avec toute la méthode euh, japonaise. Il recherchait même les, 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 le papier. Et donc il importait des papiers japonais. Tout devait être identique dans l'exécution. Il aurait pu se déplacer, mais les artistes qui se sont déplacés, qui ont fait le voyage euh, au Japon, étaient très rares. Et euh, je pense que le, 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 la matière d'inspiration était suffisante à Paris pour euh, reproduire cette influence japonaise. Il n'y a pas eu d'échange Henri Rivière, judith Gautier. Il y a, je, on peut penser que logiquement euh, Henri Rivière a connu euh, Saint-Briac en particulier. Certainement par euh, Signac et Signac voyait régulièrement Julie Gauthier, donc ça paraît logique. De la même façon que Renoir euh, circulait dans les mêmes salons et a appris qu'à saint briac il y avait de jolis crics à peindre, donc tout ça était le résultat des rencontres euh, parisiennes. Et est-ce que vous avez réfléchi géographiquement à pourquoi est-ce que cette, disons, on peut dire, cette, colonie japonisante s'est installée dans, la région de ce, dans cette région de Bretagne, sur la côte d'Emeraude, plutôt qu'ailleurs en France, par exemple? Le rappel des paysages permet très facilement de sentir l'esprit le, le, le dessin euh, japonais, certainement. Il y a des, des, des paysages, des bancs de sable, des, des grands aplats de couleurs qui sont très faciles pour admirer, partir de l'admiration du paysage pour ensuite aller à l'art japonais. Certainement, c'est une démarche qui est, qui est favorable. David Gauthier a donc collaboré, sans jamais y être allé, à ce courant d'échange entre la France et le Japon. De toute façon, elle a participé à sa manière, au japonisme, au sens qu'on donne le plus couramment et le plus habituellement à ce, à ce mot, dans les arts, à la fin, euh, enfin dans la dernière partie du, du 19e siècle et même dès, dès les années 70 du 19e siècle. Euh, elle elle aussi, donc, elle s'intéressait aux estampes, bien sûr, mais euh, comme c'est quelqu'un qui, euh, qui agissait à sa manière, euh, elle, a, elle a beaucoup fait pour euh, faire connaître ce, ce japonisme-là. Et je pense en particulier à ce recueil de poèmes qu'elle a appelé les poèmes de la libellule et qui sont en matière de japonisme un peu l'équivalent de ce qu'elle avait fait dans, dans le livre de Jade pour les poèmes chinois. C'est-à-dire qu'il s'agit de poèmes traduits du japonais mais traduit par elle d'après une version littérale qui était le fait de son ami Sayonzi. Et alors, le, le livre est magnifique. Enfin, il est un, un exemple tout à fait étonnant et admirable de japonisme au sens artistique du mot. Euh, le livre est illustré par Yamamoto et. Euh c'est un, un raffinement tout à fait étonnant. La couverture est illustrée d'une libellule dans les roseaux et euh, il n'y a qu'un poème par page avec un titre en japonais. Chaque page étant illustrée différemment en et céladon, ocre plus ou moins soutenu, rosé, beige marron, bleu turquoise foncé, rouge vermillon clair, bleu ciel, etc. Enfin, euh, d'ailleurs, le livre est, est, est d'ailleurs dédié à Mitsuda Komiyoshi, qui était un. Autre représentant du Japon en France à l'époque. Donc, c'est une sorte de, de, de manifeste de japonisme au sens artistique. Et pour nous, historiquement, cela reste un, un monument de ce que le japonisme a pu produire de, de plus exquis et de plus raffiné. On sait que Mallarmé, par exemple, qui était un, un grand admirateur de, de Judith Gauthier, appréciait lui aussi à l'extrême euh, ses couvertures, ses reliures et ses, et ses illustrations. Euh, inspiré par le japonisme. Dans l'ombre blanche des pommiers.